pense que dans quelques jours, c'est vraiment tous les secteurs qui vont s'arrêter de travailler. Ah oui, la SNCF, il y a les raffineries en plus, il y a tous les secteurs d'activité. On faut bloquer le pays parce que Macron, lui, il abuse. Donc à un moment donné, il faut toucher à l'économie pour qu'il y ait un impact. Alors quand il y en a plus, mais encore, et ça c'est tous les problèmes de la musique, ça te prend les tripes, ça te prend les... Je suis fatiguée, puis bon, la place aux jeunes aussi, je me dis, il y a des nouvelles recrues qui ont envie aussi de faire, donc oui, laisser la place aussi aux jeunes, puis j'ai envie de profiter de ma retraite, que j'ai travaillé longtemps, et profiter de mes enfants, mes petits-enfants, voilà, j'ai envie de profiter de ça aussi. Moi je suis là aujourd'hui comme les quatre dernières pour pouvoir profiter de ma retraite à 60 ans. Et ce que le gouvernement devrait comprendre, c'est que venez faire un tour dans les sociétés de logistique, venez faire un tour dans le bâtiment, venez faire un tour dans les métiers pénibles et vous comprendrez qu'à 64 ans, c'est impossible d'être en retraite. Voilà.